monde, salut à tous et merci de votre présence. Merci de votre présence sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Je voulais remercier les 600 abonnés que j'ai sur YouTube. Et on va continuer ce magnifique doubleur. Donc concrètement, on a tout perdu, hein, voilà. Hugo, il est... on dirait un zombie. Moi, je suis blessé de partout avec Amicia. Et Lucas, le pauvre, il a pris cher. Béatrice et Lucas ont retrouvé la trace d'Amicia et de Hugo. Réunis au palais du comte, Amicia a expliqué à sa mère toute leur découverte. Béatrice, fière de ses enfants, a reconnu avoir eu grandement tort. Et hélas, le comte piège et trahit Amicia, désirant offrir Hugo à sa femme et faire disparaître le reste de la famille de Ruin. Au cours d'une violente confrontation, Emily exécute Béatrice devant les yeux d'Amicia. Lorsqu'Hugo se réveille et voit le carnage, il déchaîne les rats et dévaste le palais avec le soutien de sa sœur, aveuglée par la vengeance. Emily est dévorée devant le comte impuissant qui jure de se venger à son tour. Et le souci, en fait, c'est pas Hugo, c'est d'avoir mis Amicia en colère et qui part dans une quête de vengeance. Tout en contrôlant son frère. Sachant qu'elle a été blessée. À l'épaule, partout. C'est ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ouh, il va la tirer. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Hugo, émotif. Est-ce que ça va? Allez. Ouais, c'est un effondrement pratique. On est fait. Hugo, on y va. Hugo, ça devient pantin. Oh. Je sais pas s'il y a un 3 qui va sortir, mais... Respire. Surtout le mot qui a eu requiem, tu vois, requiem. Ça veut dire quoi encore requiem? Et c'est une signification requiem, j'aime bien en plus ce mot-là. Requiem def. Alors, requiem, c'est une prière, un chant pour les morts dans la liturgie catholique. Une partie de la messe des morts mise en musique. Ouais. Donc oui, c'est la musique de la mort. Donc c'est à dire que il y aura beaucoup de cadavres. Veille sur lui, je ferai vite. D'accord. Veille sur lui, je fouille partout. Je sens qu'il y aura d'autres combats encore. C'est un endroit que je connais, ça. J'ai trop d'alcool. Non, non, non,
ici. On va fouiller partout. Et là, de suite. Allez. Est-ce que je peux tout améliorer ? Tout ce qui peut aider est bon à prendre. Ok, j'ai que 30. Je ne peux rien faire. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bloqué. Non, Hugo. Impossible de bouger ça d'ici. Je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. Oh, non. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Continue. Laisse-moi voir tes yeux. Pupille pas dilatée. Décliné à peine. Allez. Charpie. Quel enfer. Je peux pas. Pitié. Pitié. Comment je vais faire? Souvenir, nickel. Comment va-t-il ? Son esprit semble éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir ? Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Les flammes se sont éteintes.
On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non ! Non ! Ce n'est pas chez toi ! Hugo, regarde-moi ! Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer ! Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi. Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. J'ai perdu la torche, donc ça sert à rien. Il y a des... Restez près de moi. Nébula est partout. Fais attention à ta torche. Oui. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle. Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Attention. C'est pire que tout. Avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui.
Viens, Hugo. Non ! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Arrête ! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez ? Il vient avec moi ! Tu les as mis en colère. Ils arrivent ! Courez ! Là ! Longez bien le mur ! Vite ! Ils vont tout détruire ! Non ! Vite ! Tu vois ? Il y a encore de la lumière. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle d'Hera. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Par ici, j'aurais trouvé un truc d'oiseau. Si je peux faire un petit tour. Les secousses ont amené ces maudits œufs à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez ! C'est moi qui commande ! Oh. Obéissez-moi ! Vous m'entendez ? Obéissez-moi ! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Pas une plume d'oiseau par là. Ça descend jusqu'où comme ça ? On ne voit même pas le fond. Je préfère ne pas savoir. Il peut y avoir une petite plume là par là.
fracasser les jardins. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un nouveau titre, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à nos trousses, faites attention. J'ai besoin de sommeil, moi. Appuissons là! Les laissez pas filer! Nous sommes repérés! Ça doit être... Oh.
m'échapper longtemps. Reste avec moi. Par ici, je le savais. Reste hors de vue. Là, on a des intrus. On est parti par là. On doit se cacher. Arrêtez les plats. On a des intrus. Mal géré. Hugo, comment ça va? Putain. Tu vas pas chier, salopard. Laisse-nous partir. Je suis pas idiot. Je suis coincé à cause de vous. Je vais rester coincé ici un moment. Laissez-moi passer, salopard. Merde. J'irai pas plus loin. Je suis pas idiot. Je reste là. C'est fini pour vous. Ils nous ont détectés. Vous pensez pouvoir m'échapper longtemps? Je suis coincé à cause de vous. Séparez-vous! Trouvez-les!
vraiment au bar, je vais voir si je peux le bouser au bord de la fenêtre. Moi, j'aurais pu. Allez, monte, monte. Oui. On y est. Ouais, allez. Je vois un bateau là-bas. Oui. Pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. On récupère Arnaud et on se tire de là. Descends prudemment. D'accord. Il va tomber. Le clocher, il s'effondre. Attention, restez pas tardés là. Bougez-vous. Ce chemin est leur seul échappatoire et ils sont aussi pressés que nous. Continuez de patrouiller. Libérez l'enfant des griffes de la profanatrice. À vos ordres. La disposition des trucs, ça fait vraiment penser à la fin du 1 quand même. J'espère.
qu'il y a quelqu'un. Les armes. Saisis-le. On est découvert. Cachez-vous donc. Je vous trouverai quand même. Il est vivant. Eh oh. Mort. Coupable va regretter d'être né. Sortez, bande de foussards! Qu'est-ce qu'il a tué ? Et il a bien fait de mourir. Ouais, je gère bien pour l'instant la stratégie. Allez, monte. Plutôt à l'enfer sur Terre. L'enfant nous sauvera. C'est l'enfant qui nous a fait ça.
Il l'a fait à cause d'elle. Mais le comte lui apprendra. Il lui montrera comment illuminer le monde. J'espère juste que je serai encore là pour le voir. Attention à ne pas tomber. Je ferai de mon mieux. Pas de radisco par là. Hugo, reste avec nous s'il te plaît. Je suis là. Le clocher. J'ai l'impression que c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté du village. Il tire à peine au-dessus de l'eau. Pas le choix, je présume. Il l'a tenu. Oui. Maintenant, où est Arnaud ? Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'il le tue, moi je les tuerai tous. Tu n'auras pas besoin. Nous allons le sortir de là. Et Sophia aussi. Moi je les tuerai tous. Quel esprit de vengeance, la petite. Voyons ce qu'on peut faire. Alors, je peux rien faire encore. Mon Dieu. Excusez-moi. On va devoir sauter. Oui. Alors ça, il est plein.
plein de munitions. Vous voyez ça, les gars? Ce port hurlant est tout calme maintenant. Vincent, allez, il faut se rapprocher. Alors c'est lui, le fameux Arnaud. Celui qu'on appelle la muraille. Oui, et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Il est où, Arnaud? Là-bas. Allez, monte. On monte. On récupère un maximum de munitions, tout ce qu'on peut, donc je prends un peu de temps. Monte. Allez, monte. D'accord. MPM, Hugo, regarde. Je sais pas de quel oiseau elle vient, mais tu la veux? Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Tiens, prends-la. D'accord. Il fallait pas me dire qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, mettons-nous au travail. Il manque encore 80, ouais, bien. 90. Prochain truc, et j'ai 90 et un outil. Quoi pour avoir des 5? Tout de suite. Alors, ton nouveau collier te plaît, Arnaud? Alors c'est ça, la muraille? Ha! On dirait plutôt un gros tas de merde, maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Pas de bruit. C'est vrai. Ce salopard a massacré mes camarades. Rapproche-toi. Ils sont vraiment très nombreux. Oui, tenez-vous prêts. Il y a des jarres de bois juste à côté d'eux. Maintenant, Amicia, fais quelque chose. Je m'en occupe. Oui. Ça me la lumière.
Amicia, tu vas y arriver. Oui. Ils ont des renforts. Vas-y, achète-moi cette panda. Et tu crois que je fais quoi? Je me demande bien. Prenez ça. À ton tour. Promets.
trouver cette foutue corde de mon cou. Ah, oui. Bien sûr. Attention! Des enfoirés en armure arrivent! T'as fait assez de dégâts! Oh, non! Hugo, reste là! Et t'auras une mort rapide! Jamais! On est là pour te sauver, enfant! C'est pas vrai! Bon sang! C'est terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Quelle équipe ! Sophia ! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère ? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Elle reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Et c'est parti pour le chapitre 14. Ah oui, encore le souci de la... On était que sur une île, mais sur le continent. Ça va être autre chose encore. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Quoi ? Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. De l'air frais. Eh bien, merci à tous. On va s'arrêter là pour le moment. Chapitre 13 est très passionnant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si cette vidéo vous a plu, moi, j'aime beaucoup faire cette partie avec vous. À plus, ciao.